La hiérarchie des normes place notre Constitution tout en haut de la pyramide, au-dessus des normes internationales, des lois, des ordonnances, décrets ou arrêtés, au-dessus de la jurisprudence et des actes administratifs. Mais où place-t-on le traité de l'Union européenne ? Tout en haut de la pyramide, sauf s'il viole notre Constitution. Voici le Parlement européen. La hiérarchie des normes influe sur notre comportement. Derrière la hiérarchie des normes se trouve le pouvoir de celui qui les fait respecter. En découle la notion de souveraineté. Et souverain, ce qui fixe les règles.